Cette vidéo pour apporter tout mon soutien à Suze la comédienne. Je lui dis que tu ne peux pas tomber et j'apprécie ton franc-parler. Moi-même, les Américains ont essayé de me faire tomber. Ça n'a pas marché. Donc, ça ne marchera pas avec toi. Et je veux dire aux Américains que les écans n'attaquent pas vos comédiennes. Il y a Mamie Tom, il y a Manuel Quetti, il y a Muriel Blanche. On ne les insulte pas, pas parce qu'elles n'ont pas de défauts ni de casserole. C'est parce qu'on respecte le métier. Respectez les comédiennes et quand. Ce n'est pas parce que vous parlez de tribalisme. Depuis que vous dites ça, ça a changé quoi? Et la pseudo-chanteuse qui ne sait pas chanter. Je peux t'apprendre à chanter. Viens voir ta grande sœur, je t'apprends à chanter. Je t'ai trouvé dans le métier, je suis venue te dépasser. Tu as toujours mangé chez nous. Nous, on n'a jamais mangé chez toi. Amène-nous chez toi. Nous aussi, on vient manger. C'est de ça qu'il s'agit. Ce que j'ai dit, tout le monde le pense aujourd'hui. Vous aimez profiter des gens. Tu as mangé chez nous des années. Est-ce que nous, on connaît là où tu niches? Qui connaît le trou où tu habites à Yaoundé? Amène-nous chez toi. On vient aussi manger. Tu me demandes quoi? En tant que fille maudite, je suis arrivée jusqu'au palais de l'unité. Quelle noblesse, quelle chance d'être aussi maudite et d'arriver au sommet de l'État sans vouloir vous donner les détails. Je suis célèbre, tu ne peux rien prendre dans ma célébrité. C'est pour ça que je ne vais pas te citer. J'ai travaillé dans la comédie au top, dans la chanson au top. Je suis le grumier du Bikutsi.